pieds dans le camion parce qu'elles partent, hein. Bonjour. À ce soir. Ça va ?
commences là, Jojo. Et tu dis ça. Allez. Comme ça. Ah, maintenant, je vais la faire, cette lettre. Allez. Monsieur. Oui, c'est très bien, Laetitia, continue. Mais là, tu as oublié de remonter jusqu'au point. Remonte un peu. Non, Joanne, non. Il faut que tu tournes ta feuille. Tourne ta feuille. Monsieur. Tourne-la, s'il te plaît. Là, je fais un rond. Mais regarde, oui, Laurent. Tu devais remonter encore. Là, tu as oublié de remonter. Remonte. Monsieur, j'ai... Là, stop. Maintenant, tu pars en haut pour faire le rond. Monsieur, j'ai pas bien parfait. Monsieur. Tu fais toute seule jusque-là. J'ai bientôt fini. Regardez, monsieur. Là. D'abord, là. Monsieur. Bon, c'est bien, Marie. Monsieur. Oui, maintenant, regarde, tu pars de là. J'ai mieux fait que tu t'es pas complètement trompé, hein, regarde. Là, tu peux continuer à faire celui-ci. Donc, tu remontes, tu fais encore une canne. Voilà. Stop, remonte un peu là. Voilà. Et maintenant, stop, qu'est-ce qu'il faut faire de nouveau? Le. Fais-le. Non, il faut que tu commences en haut, Laurent, il commence en haut. Là. Monsieur. Monsieur, là, ici monsieur, maintenant. Attends, allez, vas-y. Monsieur, non, c'est pas une orteille. Monsieur, là, on est ce matin ou cet après-midi? Là, on est ce matin ou cet après-midi? Alors, il demande si on est le matin ou l'après-midi. L'après-midi? Non. Qu'est-ce qu'on, avant l'après-midi, qu'est-ce qu'on fait? On va? Manger. On va manger. Est-ce que tu es allé manger déjà? Non. Non, alors c'est encore le matin. Le matin. Le matin. Voilà. On est venu à l'école. Comment? On est venu à l'école. Jusqu'à ce soir. Bon, ça y est, tout le monde a terminé? Oui. Alors, eh bien, on va montrer, chacun va montrer son travail. Pardon. Comment on fait après? Allez, on regarde celui de Jojo. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. C'est bien? Tu pourrais continuer, c'est un petit peu bien. Un petit peu bien. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Jojo? C'est comment? Bien. Regarde, non, mais là, c'est toujours. C'est comment? Bien. Bien? Oui. Toi, tu dis bien. Marie, elle dit un petit peu bien. Bien. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Très bien, bien. 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 Et toi, Joanne? Oui. Ici, il manque peut-être quelque chose, là. La canne qui descend, elle n'est pas là. Voilà. Hop. Qui c'est qu'on regarde? Marie, après? Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bien. Pas bien. Pas bien. Un peu. C'est pas bien? Un petit peu bien. C'est beaucoup bien. C'est beaucoup bien? Oui, mais le bien. Mot en bas... Est-ce qu'on le reconnaît, le mot maman? Non. Oui, mais en bas... Oui, parce qu'elle est un petit peu montée et descendue, c'est ça. Mais quand même, c'est pas mal, je trouve. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on ferme d'habitude pour s'endormir? Hein? Ferme les yeux et... C'est là-bas que ça se passe ou là? Là. Alors, restons là. On allait fermer les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux et... Compte les moutons dans ta tête. Pourvu que je ne fasse pas de
cauchemar. Qu'est-ce que c'est un cauchemar? C'est un vilain cauchemar. Un vilain? Un vilain rêve. Oui, tu en fais des cauchemars des fois? Oui. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois dans tes cauchemars, Axel? Presque plus de cauchemars. Qu'est-ce que tu vois dans tes cauchemars, Axel? Des fantômes. Ah. Des fantômes? Oui. Bon, moi j'en rêve pas des fantômes. Alors, les cauchemars, on parle des cauchemars d'Axel. Il me raconte ses cauchemars. On lui laisse raconter, d'accord? On lui laisse raconter ses cauchemars? Oui. Bien. Alors, tu avais vu des fantômes dans ton cauchemar? Oui. Et qu'est-ce qui se passait? Ils étaient habillés comment? En blanc. Comme les vrais fantômes? Oui. Et alors? Tu étais où? Ça s'est passé où? Dans ma chambre. Dans ta chambre? Oui. Bon, alors raconte-moi. La nuit. Oui, ah ben, c'est la nuit qui vient des fantômes, non? Ça existe vraiment? Oui. Tu penses que oui? Oui. Tu en as vu des vrais? Oui. Alors? Et moi, je les ai vus. Une folle gaieté régnait pendant nos récréations. Une folle gaieté régnait pendant nos récréations. Tu y es, Nathalie? Oui. Non. Olivier aussi? Oui, monsieur. Point. Une moitié des élèves jouait aux billes à l'ombre des arbres. Une moitié des élèves jouait aux billes à l'ombre des arbres. Point. D'autres jouaient au cheval. D'autres jouaient au cheval. On n'aurait pas dit que c'était l'imparfait des fois, là. Il n'y a pas 5 minutes, Julien. C'est ça l'imparfait, un et accent aigu? Ça s'écrit comme ça, la terminaison de l'imparfait? D'autres jouaient au cheval ou aux autos. Virgule. D'autres jouaient au cheval ou aux autos, virgule. Marchant au pas. Marchant au pas. Marchant au pas dans des montées imaginaires. Point. Ça y est? C'est pas... J'ai pas dit point final. Hein? Tu interprètes, là. J'ai dit point.
T'as pas envie de travailler aujourd'hui? J'entends pas de là. J'ai pas entendu Jojo, excuse-moi. J'ai envie. Tu as envie? Mais alors, faut pas t'arrêter, mon vieux, hein? Alors, c'est bientôt fini? Oui. Il en manque beaucoup? Là, tu peux terminer sans t'arrêter, peut-être, hein? Oui? Oui. Pardon? Oui. Pardon? Oui. Pardon? Oui. Pardon? Oui, monsieur. C'est bien, Jojo. Alors, voyons, qu'est-ce que tu as écrit, toi? Qu'est-ce que tu nous écris? Un quart, c'est bon? Oui. On demande d'écrire quatre fractions plus petites qu'un. Qu'est-ce que ça voudra dire? Ça veut dire plus petit que l'unité. D'accord. Alors, voyons, qu'est-ce que tu as écrit, toi? 5, 10, 11, 12, 13. 13 cinquièmes, vous corrigez bien. Je ne l'ai pas fait du tout, tu le refais. Il y a quand même l'exercice pour prendre deux. C'est juste à faire la moitié. C'est terminé, Jojo? Le sapin, il est terminé. Le? Sapin. Et les animaux sont coloriés? L'ours et les deux autres. Il t'en manque combien à faire alors? Deux après. Encore deux? Oui. Tu t'appliques au moins pour les faire. Après l'ours. Après l'ours, il t'en manque deux? Oui. Alors applique-toi maintenant. Bien. Alors maintenant, des fractions égales à 1. Ça, c'est facile. Qu'est-ce qu'on avait dit, Julien? Pour qu'une fraction soit égale à 1, il faut que. Saucisse. Dis donc, Axel. Ta question est pas bonne là, et on n'entend pas en plus. Hein. C'est terminé? Presque. Qu'est-ce qui manque? Celle-là, je l'ai déjà fait, celle-là, je ne l'ai pas fait. Celle-là, je ne l'ai pas fait, celle-là, je ne l'ai pas fait, celle-là, je ne l'ai pas fait. Il en manque beaucoup alors. Et tu m'avais dit que tu allais le finir. Tu m'avais dit que tu allais le finir. Et là, ça va être la récréation et tu ne pourras pas sortir le jour-là. Oui. Si tu n'as pas fini. Oui. Tu te presses un peu, alors? Oui. Je ne te dirai plus maintenant. C'est d'accord? Oui. Là-bas. Attention, t'es loin. Il faut que je fasse celui-là et puis après, c'est fini. Oui, bien sûr. Bon, vous sortez, vous deux, un petit peu. De là, mais je vois. Monsieur. Jojo, je ne mets pas les chaussures. Bien. Allez, vous sortez. Tu viens. Moi, je voudrais savoir le dernier de ton poisson. Ah non, c'est pas ça qu'on m'avait dit. Non, pas demain. Demain, il n'y a pas d'école. En plus. Donc, quand est-ce qu'il faut le faire? Quand il y aura de l'école. Là, il y en a. Oui. Alors, c'est maintenant qu'il faut le faire. Hein? Oui. Tu avais dit que tu le ferais, tu l'avais promis au maître. Et tu as tenu ta promesse, tu l'as fait le poisson? Il est fini, le poisson? Non. Alors, il faut que tu le finisses. Oui. Tout de suite. Et toi, tu voudrais pas? Si. Ah bon? Mais pourquoi tu viens à l'école? C'est pour que pour jouer? Et pourquoi aussi? Pour faire mon travail. Et qu'est-ce que c'est? Quel travail? Avec le maître. Avec,
Avec Tatiana et vous. Avec Tatiana et moi, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu apprends quoi à l'école? Tu veux faire du coloriage? Non. Qu'est-ce que tu apprends aussi? C'est important, le coloriage. Mais après, qu'est-ce qu'il y a? Le travail. Qu'est-ce que c'est, le travail? Qu'est-ce qu'il y a encore? Écoutez le maître. Oh, mais c'est pas le travail, ça. Par exemple, ce matin, tu as fait... qu'est-ce que tu as fait? Un dessin. Non, au tableau. Des boucles. Oui. Donc, tu apprends les boucles, tu vas apprendre, hein? Oui. À quoi? À écrire? À faire des six. Ah, et les six, c'est pour apprendre quoi? Le calcul? Oui. Pour savoir? Compter? Oui. Hein? Tu sais dire compter jusqu'à six. Jusqu'à six? Après cinq, il y a six. Et après six? Après six, il y a sept. Mais on l'a pas encore vu. Puis après sept, il y a six. Ah, après sept, il y a huit. Il y a huit. Encore, encore. Ça fait rien si on tombe à côté. Voilà. On a mis la farine. Allez. Tu verses le sucre vanillé dedans? Tout. Tout. Voilà. Allez. Voilà. Tu le retournes et puis tu écartes les deux, les deux parties. Voilà. Et tu mets la coquille là. Allez. Maintenant, c'est alisé de casser un œuf. Allez. Tu es prête? Et voilà, il est cassé, il est allé tout droit dedans. C'est bon, cassé et dans le bol, c'est parfait ça. Allez, Jessie. C'est là, Jessie, qu'il faut le mettre. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, bah, allez, j'y vais. Il va falloir te lancer. Oh, le. J'en étais sûr. Bon. Elle cuit par terre. Oui, bien. Mais non, regarde. Tu regarde. Tu la prends comme ça. C'est tu fais comme ça. Tu es presque bien. Oui, bien. Bravo, Guillaume. Bravo, Guillaume. Je pourrais en essayer une, monsieur, après? Fais-le tourner comme ça, comme ça. Encore un peu. Voilà. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut tracer, hein? Un rayon. Deux rayons. Ça s'appelle un dia. Un dia. Tu te rappelles plus? Le diamètre. Allez. Trace le diamètre. C'est bon, Nathalie? Oui. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu prends cette distance, ça s'appelle le ray? Le diamètre ou le rayon, là? Le rayon. Le rayon. Donc, tu prends le rayon et tu dois le reporter comme une fois. Quatre fois. Tu mets ton âge? Oui. T'as quel âge? C'est 4 ans et demi. Le verre, il s'est cassé. Oui, oui. Et la grosse, là.
Allez, 5 et 1. 6. Et encore 2. 8. Écris 8. J'aurais voulu qu'avant qu'on se quitte, là, on parle de votre différent, même de votre bagarre de la récréation, pour savoir ce qu'elle veut dire. Et pour qu'on en parle, pour que ça ne se reproduise pas, parce que c'est tout à fait inutile. Hein. Vous êtes dans le même cours, vous êtes ensemble, et on n'est pas très nombreux, et vous trouvez encore le moyen de vous bagarrer. Donc voilà, si vous avez quelque chose à vous dire, il faut vous le dire maintenant. On se le dit là, et comme ça, on va essayer de régler le problème. Alors, est-ce que tu as quelque chose à dire, Julien, toi ? Olivier, comment ça a démarré, ça? Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Bon, on jouait au jeu à l'épervier. Oui. Et puis quand on l'a attrapé, il est tombé par terre et puis il s'est fait mal au dos. Et c'est comme ça que ça a commencé. Il a attrapé tous les petits, il leur a fait mal. Alors après, on a intervenu. Puis après, il s'est levé, il s'est mis à jeter sur tout le monde. Bon, tu as été en colère, alors? Bon, mais est-ce que c'était normal que tu te mettes en colère avec les petits? Alors qu'il n'y était pour rien. Non? C'était pas normal. D'accord. Et ça, tu peux l'éviter? Non. Et par rapport à Julien, alors? Parce que vous êtes bagarré un petit moment, quand même. Hein? Au début, vous avez prouvé votre force, pendant... Vous avez tourné, tourné, et puis après... Ça a un peu dégénéré, non? Alors? Qu'est-ce qu'il en passe, toi? Moi, j'ai lâché. Je l'avais lâché, si vous voulez lâcher, lâchez. Puis voilà, après il n'a pas voulu lâcher, bon. Ben, c'était pourquoi tu voulais pas lâcher, toi? Il faut le dire, Olivier, maintenant il faut en parler, comme ça après c'est terminé. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête pour que tu ne veuilles pas lâcher? Tu voulais lui montrer que tu étais aussi fort que lui? Oui. Mais c'est sûrement vrai, non? Non? Tu résistais bien ou il t'a donné du mal certaines fois? Des fois. Hein. Sincèrement. Des fois, oui. Et c'est ça qu'il faut voir. Un coup, c'est toi le plus fort, un coup, c'est moi. Hein? Vous avez le même âge, vous avez la même taille, vous êtes forts tous les deux. Vous avez voulu vous montrer que vous étiez forts tous les deux. Voilà. Mais est-ce qu'il est nécessaire qu'il y en ait qui gagne? Non. Ça sert à rien. Non? Toi, pour toi, c'est important? Peut-être c'est moins important pour lui, puisqu'il voulait lâcher. En fait, c'est toi qui n'as pas lâché. Hein? Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça fait quelques jours que ça dure, ça. Hein? Alors, d'où ça vient, ça? Vous entendez bien certaines fois, puis d'autres fois, pas du tout. Vous voulez en parler de ça? Il y a une raison, Olivier? Qu'est-ce que tu supportes pas chez Julien? Dis-le, on prend notre temps, on se calme, on le dit. Alors, qu'est-ce que tu supportes pas? Comme ça, tu pourras lui dire, là, devant moi, tu peux lui dire. Qu'est-ce que tu aimes pas chez lui? Qu'il m'insulte. Il t'insulte? Bon. Alors, tu vois, Julien, apparemment, c'est ce que tu dis en parole qui est plus grave pour lui que ce que tu peux faire avec ta force. Pour lui, c'est très important. Il se sent pas bien quand tu dis des trucs comme ça. Alors c'est facile hein, de dire une insulte, c'est tout à fait gratuit. Hein. Un mot, petit ou gros, c'est vite dit. Mais ça peut faire très mal, ça peut blesser. Peut-être que ce qu'il a, Olivier, depuis quelque temps, c'est ça, c'est qu'il se sent blessé par les mots que toi ou quelqu'un d'autre peut lui dire. C'est ça, Olivier? Non. Est-ce qu'on peut l'arrêter, ça? Et en plus, je trouve que vous êtes dans une classe où il y a des petits, là. Hein? Et vous leur donnez l'exemple en faisant ça.
Et c'est pas forcément le bon exemple, ça, vous trouvez pas? Il vaut mieux que vous ayez laissé chez eux l'idée qu'on peut bien s'entendre, être copains et puis travailler ensemble. Hein? Moi, je trouve que c'est mieux. J'ai pas cette impression. Comme avant. Comment? Tu disais? Comme avant. Comme avant. Hein? Il y a une chanson qui dit comme avant où c'était le bon temps. Ben, c'était ici, c'était comme ça aussi. Hein? Alors, il n'y a pas de raison que ça continue pas. Voilà. En tout cas, jusqu'à ce que vous partiez, il faut qu'on retrouve un climat plus serein, plus calme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Julien? On va dans ce sens? Tu te sens capable de tenir? Oui? Bon. Et toi aussi? Aussi. Cette fois 0, 0 et 4, 4. Après. 7 fois 0, 0. Eh ben, t'es pas venu nous regarder. 7 fois 1, 7. Bon, mais. 3 fois 6, 12. 18. 18. 18, tu veux. Fais gaffe, voir où tu le mets, 8. Là. Ah ouais, ça c'est le top, hein. Non, celui-là, c'est un 0. Continue. 3 fois 6, 18. Je mets 8 et je retiens 1. 3 fois 0, 0 et 1, 1. 3 fois 0, 0. 3 fois 1, 1. 3 fois 1, 1 ? Tu veux la copier 100 fois, la table de 3 ? 3 fois 1, 3. Continue. Ben, c'est fini. Pardon? C'est pas un 5, là? 5 fois 6... 25? Redis, récite la table de 5. 5 fois 1, 5, 5 fois 2, 10. Après? 5 fois 3, 15, 5 fois 4, 20, 5 fois 5, 25, 5 fois 6, 30. 5 fois 7. 5 fois 7, 35. Mmh. 5 fois 8, Oh 40. 5 fois 9, 45. 5 fois 10, 50. Bon, j'attends. Où tu me le mets? Fais gaffe. Là. Où? Bah là. Une claque, t'en veux une? Regarde les chiffres après la virgule. Bah, il y en a 3. Et avant? 3 aussi. Appelle ton oncle qui t'aide. Ouais, mais 2 fois 6. 2 fois 6, 4, ça fait combien? 2 fois 6. 6. 1 D1. 6 et 6. 12. 2 fois 6, 12. Tiens, en plus, il a mis ta main. Il a retenu. 2 fois 6, 12. Et. 2 fois 6, 12 et 4. Je sais pas où j'en suis. Moi non plus, j'ai perdu le film. Et puis là, il y a une erreur. Ah oui, parce que c'est pas décalé. C'est pas décalé, t'as oublié cette bête là. Oui, mais. Elle doit être ici, là, cette bête. Là. Là? Oui. Oui. Hein, c'est un 4, ça? Bah oui. Là, le 4 ici. Le 3 ici. Le 4 ici. Le 3 ici. Et le 8 ici. Oui, j'ai quelque chose qui ne reste plus là.
Bon, là, j'en suis. Et si c'est zéro, là, je m'en rends. Mais oui, mais oui. C'est pour qu'il décale après, oui. Parce que sinon, il les anime. Putain, on est où, là? Deux fois... 9, 18, il a dit. Voilà, c'est comment on dit, hein. Deux fois 9, 18, voilà. Deux fois... Deux fois 6, 12 et 4. Et toi, qu'est-ce que tu me dis? Deux fois 9, 18, t'as 1 de retenue. Tu poses 8 et tu retiens 1. Aïe. Deux fois 6, 12 et 1, 13. Je mets 3 et je retiens 1. 2 fois 6, 12 et 1, 13. Je mets 3. Il y a une erreur encore. Oui, pas. Sur la longueur. Là, là, là. 2 fois 2, 4. 2 fois 0, 0. Et 2 fois 4, 8. Hein, ben non, c'est bon. 2 fois 2, 4. 2 fois 2, 4. 2 fois 9, 18, c'est bon. 2 fois 9, 18. Il pose 8, il retient 1. 2 fois 6, 12 et 1, 13. Avance ton doigt, c'est bien bon. Il pose 3, il retient 1. 2 fois 6, 12 et 1, 13, il pose 3 et il tient encore 1. 2 fois 1. 2 fois 1. 2 et 1, 3. Ok, ça roule. Allez. Oh, ça roule pas, non, c'est impossible, c'est faux. Ouais, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a deux chiffres de décalé. C'est deux chiffres de décalé sur longueur. Et alors? Eh bien, c'est bien normal. Non, 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 non. C'est pas, c'est, ça va pas aller. Bon. Voilà. C'est bien les petits avant de s'asseoir. Asseyez-vous. Le mec, il en donnera un mot et on les collera. Voilà. Et parce que c'est lui qui commande. C'est pas nous qu'on commande, c'est vous, monsieur, qui commandez. C'est pas nous. Et quand on sera grand, et ben, on va commander à nos enfants. Exactement. Et peut-être tu seras maîtresse un jour. Oui. Tu commanderas à tes élèves. Oui. Tu aimerais bien? Oui. Moi aussi. Toi aussi? Moi aussi, si. Je veux faire comme vous. Tu veux faire comme moi? Moi, tu veux être maître? Moi, je veux faire motard. Toi, motard. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais faire, Laetitia, toi? Elle veut faire vétérinaire. Vétérinaire? Qu'est-ce que c'est, ça, vétérinaire? C'est pour soigner les animaux. Oui. Tu aimerais bien soigner les animaux? Oui. Alors tu veux être vétérinaire? Oui. Et puis le fermier donne les animaux qui sont malades. Oui. Alors Jessie, elle veut être... Maîtresse. 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 Maître? Maître Jojo. Oui. Maîtresse. Et Joanne Mota. Et alors, qu'est-ce que tu ferais si tu étais maître un jour? Qu'est-ce qu'ils font les maîtres? Il fait travailler les grands, les CP et les petits. Les grands, les CP et les petits. Tous en même temps? Oui. Oh. Non, pas tous en même temps. Oui. Les uns après les autres? Oui. Oui. Non. De toute façon, après, je fais l'autre part. Là. C'est penché. Il est penché. Comme ça. Il est penché comme ça, mais... Comme ça, il est... Comme ça.
Il est comme ça, regardez comme il est. Il est comme ça penché. Il est trop penché, hein. Je veux le faire. Tu veux les faire, Marie, pour lui montrer? Bien. Très bien, vas-y. Un petit peu. Voilà, vas-y, Élisée. Tu veux que je fasse des petits points pour toi? Oui. Allez, vas-y, vas-y. Bien. Bien. C'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après 6, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a après 6? Qu'est-ce que tu as dessiné tout à l'heure? Qu'est-ce que tu as coloré en rouge? Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Le? Elle ne se rappelle plus. On le demande à Lisée ou à Marie, peut-être. Qu'est-ce qu'on a appris, Marie, le nouveau nombre qu'on a appris? C'est le 7. Le 7. Il est après qui, le 7, Marie? Après qui? Le 6. Il est après le 9. Ah ben d'accord. On n'a même pas appris le 9 encore. Après le 6. Après le 6. Le 6. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, on dit 7. Qu'est-ce qu'on dit après 6? Elle a dit, Marie, le Tu te réveilles un petit peu? Oui. Le 7. Le 7. Recompte maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'elle a dit, Marie, après le 6? Elle a dit 7. Il faut l'aider. À l'orthographe, elle est géniale parce que quand on fait une dictée, je la regarde, elle me dit il faut un accent, il faut ci, il faut ça. Alors les autres sont bluffés parce que c'est elle qui le dit. Bon, après, c'est vrai qu'en maths, c'est le oui. contraire. Mais en maths, elle a besoin. Il faut être avec elle et pas à pas, on arrive à... Oui, comme j'ai dit, moi je sais pas comment M. Lopez l'explique. Moi je l'explique comme je l'ai appris, comme il me semble, mais j'ai dit, je sais pas. C'est bien de le faire. C'est pas toujours évident parce que des fois je vois qu'elle est complètement paumée, des fois. Alors je dis, mince, ça doit pas être comme ça. Des fois je dis à Pascal, bon, ça te fait rien. Tu peux lui dire à ta façon, peut-être c'est rendu. Comprendra mieux que moi, bah, j'ai dit ça doit être du jargon chez moi, alors explique-lui. J'ai même demandé à mon frère Alain, j'ai dit bon, toi t'es plus jeune, tu sais peut-être mieux les équations que moi. Il me dit ah non, moi j'ai pas appris non plus comme ça. J'ai dit bon, fais comme t'as l'habitude de faire. J'ai dit j'espère que M. Lopez va le corriger et qu'on comprenne. Parce que j'ai dit là, on s'entend pas là.
Mais dans son cas, vous seriez complètement disponible, que je crois que ça ne changerait pas tout. Hein. Je pense pas non plus. Non. C'est comme ça. Elle préfère être plus libre avec les gens de l'extérieur que proprement dit sa femme. Enfin, oui. Ses parents. Mais ça, c'est difficile à dire peut-être, mais je trouve que. Je pense pas que ce soit votre cas, mais il faut pas en prendre ombrage, en fait, en tant que mère de ça. Parce que ce qui compte pour vous, c'est qu'elle s'épanouisse. Elle. Bah oui, qu'elle soit un peu plus gaie quand limite, même. C'est vrai qu'elle est pas, elle est pas. Donc à la limite, si elle est moins comme ça liante avec vous, je dirais que c'est peut-être un passage forcé, quoi. Mais moi, ça me paraît être la chose la plus importante, ce serait de la voir s'épanouir et être heureuse, quitte à ce qu'elle soit un peu plus en retrait avec vous. Mais ça doit être difficile à vivre aussi, à certains moments. Ah, c'est sûr, c'est pas évident, ça, ouais. C'est sûr. Hein, c'est vrai que. Mais bon, c'est pareil, on s'est habitué qu'elle est toujours à l'écart de nous. Enfin, à l'écart de nous. Souvent à part, seule. Ouais, parce que ce qui m'a le plus surpris, moi, c'est le jour où elle m'a adressé la parole comme ça, quoi, de but en blanc. De but en blanc. Ah ouais. Ça, c'était, je me demandais si c'était vrai. Tout d'un coup, je dis que c'est Nathalie qui nous. Et puis, comme on a continué la conversation, après, c'était une partie de la récréation, comme ça. Ah ouais. Je trouvais ça assez magnifique, moi. Ouais, c'est sûr, parce que quand on n'entend pas le son de la voix et que ça vient d'un seul coup, on se demande ce qui se passe. Pour dire qu'elle est signe Gémeaux comme moi, eh ben, on n'a pas du tout le même. Non. Pourtant, on dit, pourtant, d'habitude, bon, Gémeaux cache sa face. Cachés, ils ont une face cachée, une face. Mais vous ne devez pas avoir le même ascendant. Ah non. Bon. Elle. C'est vrai, elle vit beaucoup, beaucoup dans. Dans son monde. Dans le sien monde. Oui, oui. Je viens de réaliser qu'il y a, ça, il y a 35 ans que je dicte des dictées aux élèves. Ça fait 35 ans que vous êtes là. Non. Ici, ça fait 20 ans, là. Hein? Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, déjà. Hein? Combien de dictées j'ai pu faire dans ma vie? 1000. 2000. Non, plus. Moins. 300. Hum? Plus que ça? 500. En fait, j'ai jamais compté, hein? C'est pas important, le nombre. Et j'ai encore un an et demi à dicter des dictées. Pourquoi l'école va fermer? Moi, je vais arrêter les dictées. Vous allez tout arrêter, les maths, le vocabulaire? Ah, plus de maths, plus de vocabulaire, plus de lecture. Ils feront grève, par exemple. Mais non, vous ne serez plus là, dans un an et demi. Vous pourrez continuer à enseigner à des élèves, à les aider à comprendre leurs devoirs. Bien sûr, il y a beaucoup de maîtres qui font ça. Ils prennent du temps, le temps qui est libre maintenant pour eux, ils le consacrent des fois le soir à aider les enfants à faire les devoirs. Oui. Mais je sais pas, en fait j'ai envie de faire plein de choses. Partir à Tahiti. Non, pas spécialement. Mais c'est cher. Pourquoi c'est mieux Tahiti, ici? Non, c'est mieux ici. C'est mieux ici? Oui. Sophie, il n'y a pas la mer. Bon, mais tu l'as en Bretagne. Où j'habiterai toujours en haut. Où? En haut. Ben, je sais pas encore. Ça dépend. Ça serait bien.
Peut-être qu'il faudra que je parte aussi de là. Pourquoi? Oui, parce que si le nouveau maître ou la nouvelle maîtresse a besoin d'habiter à l'école, ben, mais s'il habite pas très loin, je serai obligé de laisser ma maison. Hein. S'il habite pas très loin, ben, c'est lui qui choisira. Et enfin, normalement, moi, je vais partir. Voilà. Et vous serez au collège. C'est propre, ça? Oui. Elles étaient déjà encore plus sales tout à l'heure. Oui. Et maintenant, tu trouves qu'elles sont propres? Non. Non. Alors, tu as frotté pour pouvoir les nettoyer? Non. Alors, qu'est-ce qu'il faudra que tu fasses? Les frotter. Comment? Avec le savon. Avec le savon, oui. Et l'éponge. Oui. Hein? Oui. Et tu ramènes des mains toutes blanches, hein, toutes propres. Mais les éponges, j'arrive pas à les attraper. Regarde, derrière toi, il y en a une, là. Deux. Oui. Voilà. Et tu ne claques pas la porte en sortant, hein? Oui. Tu peux laisser ouvert, d'ailleurs. Comme ça, voilà. Je vais mettre... Va te laver les mains, s'il te plaît. Ben voilà. Ben voilà, et oui. Hein. Maintenant, je vais l'essuyer avec le torchon. Oui, attends. Le petit doigt et le pouce, ils sont tous lavés. Voyons. Ah oui, il en reste un petit peu là sur le pouce. Hein. Sur le petit doigt, le pouce, il est là. Oui. Et là, comment tu l'appelles celui-là? L'index. Le nageur. La nuit. L'air. L'eau. L'ori. Sontale. L'auriculaire. L'auriculaire. Il a dit l'auriculaire? Non, l'horizontal. Bon. Ça y est? Il m'a fait caler les frottes avec le sur son front. Ah si, un peu là encore, sur le pouce. Voilà. J'en ai encore un peu de frottes sur mon front. Tu en as un peu sur ton front encore, hein? Comment tu le sais? Tu le vois pas? Non, c'est le roi qui l'a dit. Ah bon? Et voilà, les mains propres. Et là, ça va aussi? Bah. C'est parti presque, hein. Allez, tu peux aller essuyer tout ça. Là, il y a une balle dans notre tour. Waouh. Et de l'autre côté, c'est propre, hein, côté de tout à l'heure. Et le front aussi, ça va, hein. Bon. Il y a une balle dans notre tour. Oui, mais on va la garder ici. Hein. C'est bien. Tâche de ne pas les ressalir maintenant, hein. Tout propre. Tu te sens mieux, là, hein. Attends, parce que je... Oui, attends. Bon, il y a la bête qui était dehors, dans le couloir. Elle était dans le couloir? Oui. Elle allait vers la porte et elle revenait. Ah bon? Oui. Elle allait voir ce que tu faisais, peut-être? Oui. Elle repartait, elle revenait, elle repartait. Elle me dit, est-ce qu'il aime bien ses mains, le petit Jojo? Est-ce qu'il a encore du feu, le petit Jojo? C'est ça qu'elle disait? Non, Elle me regardait comme ça, elle me regardait quand je me lave mon front. Ah bon? Oui. Et les mains. Elle voulait aller peut-être te voir de plus près. Peut-être qu'elle voulait me piquer. Elle faisait ça? Non. Ah non. Mais t'arrêtes.
Mais pourquoi tu me poses des questions? Mais pourquoi tu me poses des questions? On va dire. Qu'est-ce qu'il y a eu? Joanne. Il t'a poussé? Dans l'herbe. Il t'a poussé dans l'herbe par terre? Oui, c'est... Joanne, viens voir. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé Jojo. Et pourquoi tu l'as... Viens voir là. Pourquoi tu l'as poussé comme ça? Viens. Pourquoi tu le pousses comme ça? Je sais pas. Tu sais pas? C'est beau de faire ça? Oui. Et alors, il faut plus le faire ça, hein? Et s'il te pousse lui, qu'est-ce que tu vas dire toi? Hein? Tu seras content? Non. Eh bien alors, il ne faut pas le faire. Il faut que tu lui demandes pardon alors. Pardon, Jojo. Un peu plus fort, on n'a pas entendu. Pardon, Jojo. Voilà. Ça va, Jojo? Allez. Vous jouez encore un peu. Ne vous disputez plus, hein? Ah! Quand j'étais petit, mon père me disait toujours que la terre était très très basse. Et il savait bien de quoi il parlait. Il était ouvrier agricole, il a été longtemps, avant de pouvoir évoluer un petit peu et avoir un petit peu de terre à lui. Et je crois que son plus grand désir, c'était surtout que je ne fasse pas le métier qu'il faisait. C'est vrai qu'en l'aidant souvent, je me rendais compte aussi que c'était très très pénible. Et ça m'a donné envie de faire autre chose. Il était de quelle origine? Ah, mon père était d'origine espagnole. Il était ce qu'on appelle un immigré. Il était venu très très jeune en France et il avait travaillé pas mal sur les chantiers et tout ça, puis jusqu'à ce que qu'il rencontre ma mère et qu'en fait il s'établisse en France définitivement et qu'il ait ensuite envie de devenir français d'ailleurs. Et d'ailleurs, il n'est pratiquement plus retourné dans son pays, c'est-à-dire en Andalousie. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être instite? Moi, j'ai eu envie d'être instite très très tôt, en fait. Je crois que ça a commencé sur les bancs de l'école. J'aimais beaucoup être en classe. J'aimais tellement qu'en fait, je passais les jeudis à faire la classe à tous les enfants qui étaient autour de moi, même ceux de mon âge. J'avais une bande de cousins à qui je faisais la classe régulièrement, comme ça. Et c'était déjà un vrai plaisir. Puis ce plaisir à continuer, puis... Je crois que j'aurais pas pu faire peut-être un autre métier que celui-là, en fait.
parce que je m'aperçois encore aujourd'hui, alors que je suis près de le quitter, que j'aime beaucoup ça, que j'aime beaucoup ce travail avec les enfants, que c'est très prenant, que je m'y investis pas mal. Et ce qui est encore plus beau, c'est que les enfants me le rendent beaucoup, me le rendent bien, quoi. Vos parents ont dû être fiers de vous ? Ah, mes parents, pour eux, c'était une sacrée promotion d'avoir un fils qui veuille être instituteur, et ils ont entretenu ça au maximum, jusqu'à faire des efforts, je veux dire, des efforts financiers importants pour leurs conditions. Donc, quelque part, je me sentais un petit peu le droit d'arriver à ça pour eux aussi. Ils sont toujours en vie ? J'ai perdu mon père l'année en fait où je suis arrivé ici en Auvergne. C'est juste avant. J'ai encore ma mère dans le Roussillon. Entends-tu ces petits bruits bizarres dans la nuit, le plafond... Non, le plan. Le plan chez Crac. Un volet. Volet. Oui. Grince. Le chat miaule. La pluie tombe un chien aboie. Ferme. Attends, j'ai mal ouvert. Elle est ratée. Quand c'est un ami, un garçon, on prend celui-ci. Oui. Qui a le A, le M et le I. D'accord. Et quand c'est une fille, Laetitia, est une amie de Jojo, on prend celui qui a le E à la fin. D'accord. Alors, quand c'est masculin, un garçon, oui. Hein, masculin, on met le mot ami avec le I. Et quand c'est féminin, quand c'est, on parle d'une fille, on met le mot ami avec un E. Alors, je vous le remontre. Alors là, c'est pour qui ? Je l'emploie, celui-là, pour un ? Garçon. Et là ? Pour une fille. D'accord. Je veux pas qu'il m'appelle la ferme, on peut aussi. Tu pourras l'écrire aussi avec l'ordinateur, comme l'écran. Hein ? Bon, ça y est, les nouvelles phrases ? Moi, oui. Oui ? Alors, Marie, lis ta phrase maintenant. Marie,
Et son mamie, Jessie. C'est bon, elle est bonne comme ça? Oui. Bien. Et toi, Jojo, qu'est-ce que tu as écrit? Papa et son ami Jojo. Oui, on peut le dire? Oui. On peut le dire? Oui. Bon. Laetitia et ami son Jojo. Non, ça va pas. Ça va faut, pas? Faut mettre le son avant le l'ami. Bien. L'ami se met à côté du Jojo. Voilà, là c'est bon. Son avant ami. Change-le de place, le son. Oui, elle est bien. Allez, c'est à toi, Joanne, maintenant. Joanne et son copain. Copain? Moi, j'ai pas donné l'étiquette copain. Hein? Non. Ami. Ami. Joanne et... Joanne et... Il reconnaît pas ce mot. Son. Ami. Mais dis-le si on te le dit. Copain. Mais qu'est-ce qu'il nous fait avec copain? On vient de lui dire qu'on n'a pas dit copain, que c'est ami. Papa. Bon. Et si tu mets maman à la place de papa, qu'est-ce qu'il faut changer? Sa copine. Ah mais bon. Son ami. On n'a pas dit copain et copine. Qui va venir au collège l'an prochain là. Julien et Sophie et... Olivier. Julien et Olivier. Et Nathalie et Jonathan, ils vont aller dans un autre collège, à Issoire. Tiens, tu les reconnais ces vaches? C'est les salaires. Non, ça c'est les salaires. Et le spécialiste là. Tu te trompes, hein? Tu reconnais pas les cornes en forme de lyre des salaires, c'est-à-dire... Tu les as reconnus, toi? Là, vous avez tous les livres de musique. Là, tous les livres qui vont parler d'art, mais les arts plastiques, le dessin, la sculpture, la photo. Là, vous avez tous les livres qui parlent d'animaux. Là, vous avez tous les livres de géographie et tous les livres d'histoire. Mais alors, en sixième, c'est obligé que vous veniez une heure par semaine au CDI travailler avec le ou la documentaliste. Parce que le CDI, ben, y a plein de livres partout, il y a plein de magazines, il y a les ordinateurs. Il ben, faut s'y retrouver là-dedans parce que sinon, on ne retrouve pas le livre dont on a besoin et ça ne sert à rien. Jusqu'à quand, à combien on peut compter? 100. Jusqu'à 100? Ben là, c'est 100 alors. Et après, est-ce qu'il y en a d'autres? On peut continuer?
Oui. Jusqu'à combien? 1000. Et après, on peut aller plus loin que 1000? Non. Je peux voir ça. 1001, 1002. 2003. On peut aller plus loin alors? Et après, jusqu'où on pourra aller? La baleine. On peut aller encore plus loin que 1004? 1005. Et encore plus loin, on peut y aller? 1021, on peut le dire? Bientôt, on peut le dire, Jojo, 1021? Non. Si? Si. Et on peut aller encore jusqu'où après? Est-ce qu'on peut compter tout le temps? Non. Sans s'arrêter? On peut juste. On peut dire 2000? Oui. 3000? 3000. 4000. 5000? 5000. 6000? 6000. 7000, 7000, 8000, 9000, 10000, 20000, 20000, 30000, 30000, 40000, 50000, 60000, 70000, 1000, 80000, 90000, 1000, et après 90, 100, 100000. Et on peut aller plus loin encore? Non. On s'arrête là? Oui. On peut plus compter alors? Non. 1 milliard. Et après? 2? 2 milliards. 3 milliards. 4 milliards. 5 milliards. 8 milliards. 10, 12 milliards, on peut le dire? 12 milliards. 15 milliards. Ça fait comme les billets qu'on donne. Les billets? Oui. Mais quand tu en as beaucoup, des billets? Toi, dans ta tirelire. J'en ai deux. Il y en a deux, c'est déjà beaucoup. Et dis-moi, et ça continue après les milliards? Monsieur, regardez tous les animaux. Dis-moi, là. Oui, c'est bien. Est-ce que tu crois que ça continue après les milliards? Non. Ça s'arrête? Puisque tu m'as dit on pouvait compter tout le temps. Hein? On peut continuer à compter? Non. Tu crois? Non. Jessie, elle pleure, monsieur. Elle pleure? Oui. Elle s'est fait mal? Qu'est-ce que tu penses qu'elle a? Au nez, là. Elle attend. Jessie, elle a fait mal à Jessie, et puis elle pleure. Et Jessie pleure? Oui. Passez-moi votre assiette, s'il vous plaît. Merci. Tu veux de la sauce? Avance. Avance. Approche ton assiette. Un tout petit peu. Tu veux du poisson? Oui. Il n'y a pas d'arrêt. Tu veux de la sauce? Bonjour. Bonjour. Moi, j'en veux pas. J'en voulais pas. Attends, et il voulait pas de sauce. Bon, ben, on va donner aux copains. Non, va non, 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 non. Vous voulez pas de sauce? J'ai un gâteau. J'en veux pas de sauce. J'avance. Tu vas le passer? Attention, attends, attends. En fait, on saura qu'à la fin du mois de juin, si c'est bon ou pas. Hein? Non, jusque-là, il faut travailler à fond. Hein? Oui. Parce que c'est pas parce que tu dis, bon, on va aller en sixième que forcément, après, il faut s'arrêter. Voyez, parce que tout ce que tu vas, il y a encore à faire, il faut que tu le retiennes aussi pour que ça t'aide pour l'année prochaine. Enfin, je crois. Hein? Si tu te laisses aller, c'est foutu. Bon. Enfin, qui c'est qui arrive? Non. Et ton père, comment ça va? Ça va. Il est revenu, là? Oui. C'est bon, c'est, ça y est? Oui ou non. Comment? Oui ou non. Comment oui ou non? Qu'est-ce que ça veut dire, oui ou non? Il n'est pas tout à fait guéri. Il n'est pas tout à fait guéri? Il faut qu'il y retourne, là? Oui. Bon, pour l'instant, il se repose à la maison? Oui. Ah. Et qu'est-ce que... Tu le sais, pourquoi il y retourne, non? Il est obligé d'y retourner. Oui. Tu connais la raison, non? Bon. Oui. Oui. Ça va aller après? Oui. Hein? Il va y retourner, après ça sera terminé tout ça. Oui. Il se reposera encore et puis c'est bon. Il est revenu depuis longtemps, là? Hein? Il est revenu depuis longtemps? Oui. Depuis le...
Une semaine, non? 3 semaines. Déjà 3 semaines? Oui. Depuis la première opération? Oui. Ah. Et là, qu'est-ce que ça va être, tu le sais? L'enlever la race. Il faut enlever? Oui. Et qu'est-ce qu'il faut enlever? La race. Le larynx? Oui. Non. C'est de là alors que c'était? Oui. Ça venait? D'accord. Bon. Mais après, on s'occupera de lui encore. Oui. Hein? Ça fait partie de la vie, la maladie. Oui. C'est comme ça. On n'oserait pas en avoir. Puis un jour, ça arrive. Et il faut vivre d'une autre façon avec. Prends ton souffle, Nathalie, ça va être bon. Ouais, c'est pas vrai. Allez, vas-y, Nathalie. Un, allez, deux, trois, vas-y. Oui, bravo. Je sens une goutte. Moi, je sens une goutte. Ah, j'ai senti une goutte dans mes cheveux. Ben oui, même on les voit, ils pleurent. Ah, moi, j'ai aussi une goutte sur mon pelle. Allez. Axel et Alizé. Le coin. Mets ton cœur près de la tête, Julie. Le coin. Allez, go. Viens, Alizé, vite. Attends, on la carte, vite, Alizé, viens. Allez, Axel, attends. Vite, Alizé, avance. Allez. Bientôt, virgule, ce sera l'heure, et où dit? Bientôt, virgule, ce sera l'heure de la représentation. Alizé, tu veux manger un peu de ça?
Ah, ça coule. Ah, ça coule. Oh là là, j'en peux plus. Déjà t'as mangé de l'huile? Eh, c'est mon chapeau. Alizé! 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 Qui est derrière là. Allez, vous connaissez tout le monde? Asseyez-vous. Alors je vous présente vos copains. Hein? Alors là c'est des grands. Alors celle-ci s'appelle Nathalie. Ça c'est Julien, Guillaume, Jonathan et Olivier. C'est les grands. Mais l'année prochaine il n'y aura plus que Guillaume. Hein? Ici c'est Axel. Et ça c'est Laura. Elle s'appelle comme toi. Il y aura deux Laura. On va pas fracasser. Et puis, là, il y a Jojo, tu le connais. Venez les voir, les petits, venez. Allez, venez. Alors, ça, c'est Johan. Jojo. Laetitia. Jessie. Oui, celle qui a un petit truc comme ça sur la tête. Jessie. Là-bas, c'est Marie. Tu la connais, Marie? Tu as vu où elle est, Marie, ta sœur? Ouais. Et là, c'est Alizé. C'est Léa, moi, Thomas, Océane. Océane, et toi tu t'appelles? Phil, comment tu t'appelles? Dis-leur comment tu t'appelles. Je m'appelle, comment? C'est Valentin. Alors voici un autre Valentin. On a deux Valentins dans l'école maintenant, oui. Et deux Laurent aussi. Hein? Et Laura, tu étais à l'école où avant? Auvergne. Elle était à l'école Auvergne, voilà. Alors tu seras avec Laura et avec Axel l'année prochaine. Vous serez trois, vous serez tranquille. Hein? Tu la connaissais, Laura? Vous ne vous connaissez pas? Mais voilà. Moi, je la connaissais. Mais toi, tu connais tout le monde, alors c'est normal. Hein? Oui, bien sûr. Est-ce que vous voulez vous asseoir avec vos copains là ou aller là-bas, à la petite table? Vous voulez faire des jeux? Hein? Vous voulez jouer? Allez, c'est... Marie et Laetitia, vous allez montrer les jeux aux petits, là-bas. Allez, va jouer, Valentin. Regarde. Non. Allez. Allez. Non. Tu lui montres comment on joue. Qu'est-ce que tu veux, Valentin? Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ta maman? Mais elle va venir... Qu'est-ce que tu veux faire? Mais elle va venir te chercher, ta maman. Hein? Elle va venir te chercher. Tu restes un petit moment avec nous, et puis elle va venir te chercher bientôt. Hein? Regarde, tu es avec tout le monde là. Regarde, Léa, elle pleure pas. Thomas, il pleure pas. Regarde, ta sœur, Océane, elle est là. Tu veux te mettre à côté d'elle? Hein? Tu veux dessiner? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux un jeu? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Mais elle est là, maman. Elle est dehors. Elle est allée se promener, puis elle revient te chercher. Bientôt, elle arrive. Bon, je vais te poser. Tu fais comme tu veux. Tu joues.
Et ta maman va venir dans un moment. On peut pas l'appeler tout de suite. Hein. Tu veux te mettre à côté d'Océane? Viens. Allez. Allez, reste avec Océane. Là. Tu gardes ton petit frère? Hein? Elle va venir. Hein? Tu peux pas. Faut que tu l'attendes. Hein? Faut que tu l'attendes. Océane, elle attend, elle est gentille, regarde. Elle joue. Et Valentin aussi, il joue, tu vois. Et toi, tu veux y jouer aussi? Est-ce que tu en veux pour y jouer? Fais-le jouer, Alizé. Fais jouer Valentin. Marie aussi. Il veut pas? Non, on le laisse faire. Elle n'est pas partie, ta maman. Elle t'attend. Tu veux la voir? Mais tu vas la voir, mais pas tout de suite. Hein? Pas trop fort. Maman. Elle va venir te chercher après ta maman. Maman. Tu veux pas jouer au 4-4? Maman. Elle va venir. Elle, mais elle va venir tout à l'heure. Elle est pas perdue, elle est là. Maman. 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 Bon, alors, c'est le moment où on va parler de vos résultats et de votre savoir si vous allez en sixième ou pas. Donc, Julien, bien que tu n'aies pas eu des résultats, on va dire, complètement suffisants, on a pensé que tu pouvais aller en sixième. Donc, tu rentreras au collège que tu as visité, au collège Saint-Germain-l'Auxerrois. Donc tu seras en sixième. Mais il faudra peut-être que tu t'approches sérieusement dès le début. Hein. Je viens de te dire que tu n'as pas eu des résultats complètement suffisants. Donc ça veut dire que tu dois peut-être améliorer des choses, non? Et quoi particulièrement? Les maths. Les maths? C'est tout? Le français. Oui. Ça fait beaucoup de choses, ça, déjà, des maths et du français. Hein? Non? Moi, je pense que tu dois améliorer sérieusement ton comportement. Parce que tu vas plus avoir quelqu'un qui va pouvoir s'occuper de toi individuellement. Hein? Et puis, les sanctions, peut-être, seront plus dures hein, après, hein, Julien. Selon le comportement que tu auras, hein, quand tu refuses, quand tu contestes, quand tu n'es pas d'accord. Hein? Quand tu t'en fous, parce que ça se voit sur toi quand tu t'en fous, hein, quand tu gonfles les joues. Moi, je pourrais plus t'aider de près, hein, de loin peut-être, mais de près, je pourrais plus. Bon, alors Olivier, rentre en sixième aussi au collège Saint-Germain. T'es content? Oui. Bon. Alors par contre, il faudra aussi, hein, comme Julien, il faudra que tu améliores beaucoup tes résultats. Hein. Oui. D'ailleurs, pour tous les deux, j'ai demandé à quelqu'un qui viendra vous voir pour faire travailler, en plus du travail que vous ferez en sixième, pour vous remettre au niveau. Hein, dans les matières où vous ne serez, serez pas assez fort. Hein. Donc vous serez tous les deux, Julien. Hein. Oui. Voilà. Alors quand vous serez déjà tous les deux, il vaudrait peut-être mieux vous entendre là-bas. Hein. Oui, nous, on va se coller, hein, parce que si on ne connaît pas un peu. Oui. Vous allez quoi faire? On va rester ensemble. Oui. Mais bon, après, il faudrait que vous fassiez attention à ne pas vous oublier non plus. Oui. Hein? Et peut-être même à vous défendre mutuellement. Hein? Parce que vous n'oubliez pas qu'il y en a qui vont essayer de vous agresser au début. Ça existe, ça. Hein? Donc, toi qui es fort comme un Turc, Julien, si Olivier est en peine de... Hein? S'il est mal placé, si on l'agresse, il faudrait peut-être que tu fonces. Hein? Bon. Et toi, de toute façon, t'es pas maigrichon, hein? Non. Tu sauras te défendre aussi, hein? Hein? Oui. Bon. Alors, c'est quoi, en vérité? C'est que tu veux rester qu'avec toi-même? Ou c'est que tu sais pas parler aux autres? Tu n'y arrives pas? Tu veux que je te dise ce que j'en pense, moi? Oui. Moi, je pense que tu en es capable. Mais que pour l'instant, c'est pas encore le moment, tu n'en as pas très envie. Est-ce que je me suis un peu trompé ou
C'est la vérité ou c'est pas tout à fait la vérité? Ça t'embête que je te parle de ça? Non. Non. C'est important qu'on en parle. Hein? Tu as fait beaucoup de progrès aussi pour parler avec moi, avec tes camarades, c'est vrai. Mais des fois, il y a des moments où c'est encore difficile pour toi. Donc ça, je l'ai écrit pour que les professeurs là-bas, ils sachent que c'est difficile pour toi. Hein? Il fallait leur dire, non? Tu penses qu'il fallait leur dire? C'est embêtant que je l'ai dit? Dis-le-moi, vraiment. Non? C'était bien, au contraire, que je les avertisse comme ça, ils prendront soin de toi. Hein? C'est ça? Moi, je pense, tu sais, Nathalie, que ça va aller, hein? Il faudra, tu feras encore quelques efforts, mais ça ira très très bien, à mon avis. Hein? Tu seras avec des plus grands que toi, tu auras des amis, hein? Et ce sera beaucoup mieux. Hein? Il faut bien qu'on se sépare un jour. Hein? Ça t'embête, ça, qu'on se sépare? Hein? Un petit peu? C'était juste pour que je puisse encore t'aider en prévenant les gens qui vont travailler avec toi. Hein. Pour le reste, ça ira le travail. Tu aimes bien travailler? Hein? Est-ce que tu penses que tu auras besoin de quelqu'un pour t'aider à résoudre ce souci que tu as de pas pouvoir communiquer tout le temps? Hein? C'est important? On a bien fait d'en parler ou pas? On a bien fait? Oui. Bon. Tu es mieux maintenant qu'on en a parlé? Hein? Oui. Bon. Mais si tu veux, tu pourras toujours en parler avec moi. Hein, l'année prochaine. Tu récoltes samedi? Oui. Eh bien, tu pourras venir. Ça te ferait plaisir de venir le samedi matin? Oui. Ah, ben alors, je t'attends dès le premier samedi. Hein? Tu viendras? Oui. Et tu pourras me raconter ce que tu as fait au collège. Plein de choses que je ne sais pas, moi. Hein? Parce que moi, je suis dans ma petite école, là, je vois pas ce qui se passe au collège. Moi. Tu pourras me raconter, on pourra parler, tu me montreras ce que tu fais. Hein? Tu me parleras de tes résultats. Tu viendras en même temps que Laetitia. Hein? Comme ça, on continuera à se voir. Tout le monde est prêt? Oui. Oui. Bien. Moi, j'ai arrêté avant de vous fermer les mains. Eh bien, il fallait pas. Moi, j'ai arrêté en même temps. Bon, alors, vous allez sortir. Et c'est la dernière fois de cette année scolaire que vous sortez. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Vous voulez pas vous arrêter, là? Au revoir, monsieur. Bonnes vacances. Bonnes vacances à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Jérôme. Au revoir, Marie. Laetitia, au revoir. Au revoir. Allez. Bon, je garde ces deux petits alors. Au revoir, Laura. Allez. Au revoir, Rixen. Allez. Allez-y. Bon, il faut que je me lève pour les grands. Au revoir, Nathalie. Et travaille bien l'année prochaine. Salut. Salut. À bientôt. Au revoir, monsieur. Au revoir, Jonathan. Bonnes vacances. Bonnes vacances.